Salut tout le monde, c'est Corleone. On se retrouve pour l'épisode 3 de Prey. Donc, on était à la recherche du docteur, je ne sais plus comment il s'appelle. On l'appellera docteur truc bidule pour l'instant. Je crois que c'est docteur Bellamy, non? Oh. Oh merde. Comment il peut être corrompu ce machin? Oh, ça commence bien, hein. Voilà. Putain, même si les trucs ils pètent. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Ah, des batteries à rayonnement, puis ça sert à quoi? Ah, parce que maintenant les Typhoons ils peuvent faire du piratage informatique. On n'est pas dans la merde, hein. Alors les petits câbles. Ça m'arrange pas tellement tout ça. Ça m'arrange pas du tout à vrai dire. Attendez là, oh, je vais mettre le micro un peu mieux. Oh fuck it. Ah mais oui c'est juste, il y avait le truc qui avait pété là. Donne-moi de l'eau. Donc je dois me méfier des typhoons. Tu t'es vert, ouais c'est bon ça le Jing Tang. C'est bien de... C'est plein de... Comment ça s'appelle ces conneries? Terraforming Mars. Télescope. Oh merde, c'est qui lui? Pauvre monsieur, un fragment d'astéroïde, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Alors, j'ai toujours pas de balle pour mon gun. Ça me pose quelques problèmes, ça. Madame, bonjour. Une clé à griffe, bah, je pourrais la recycler comme ça. Du ginseng. Ah, du vin. Alors, je vais lire tes mails. Nanana, ok. Et puis là, il n'y a pas de code, on s'en bat les couilles alors. J'ai pas de code. J'ai pas de code. Qu'est-ce qu'il y a dans la poubelle? Ah, une boîte de conserve. Ah, du ginseng. Un petit rond, petit rond. C'est quoi ces plantes? Ça existe pas sur Terre ce genre de choses. Oh, les extraterrestres parlent. Oh, je crois qu'il y a quelqu'un là-bas. Crew des favoris, ouais. Est-ce qu'il est corrompu? Ouais, quel enfoiré celui-là. On va s'occuper de lui. Ah merde. Éloigne-toi avant que ça explose. Je sais pas à quoi ça sert, c'est... Neuromade, Fiesta. Super. Je suis tout content là, j'ai trouvé des neuromades. En fait, je sais pas trop dans quoi je vais me spé, c'est ça le truc... Casser le cadenas. Si je fais comme ça là, puis je défonce sa gueule avec la clé. Non. Non, faut pas rêver quoi. Ouh. Les fils, ça peut toujours servir. Salut mec. Tu me vois? Non, tu me vois pas. Hein. Je pense qu'on a surtout rien à battre de moi. Ah ah, hop. Modificateur d'armes. Qu'est-ce que je voudrais que je modifie mon gun. Ah, plein de modifications des blablabla. Bon, ok, je m'en fous de savoir qui est vivant. De toute façon, chaque personne vivante est un danger potentiel. Alors, je suis content, plein de choses à recycler. Merde. Demonstrative Theater.
C'est intriguant tout ça. Merde. Ah, il est bon lui, hein. J'aurais jamais pensé à faire ça. Ah merde. Tu peux pas passer, espèce d'enculé. C'est pas con hein, ce qu'il a fait, genre j'ai jamais pensé à faire un truc pareil. Du coup je pense que c'était un peu pour montrer la voie à suivre. Bon, je pense qu'on va arrêter de se bourrer la gueule. De se bourrer la gueule parce que ça va pas le faire. Et on n'est pas là pour ça. Lecteur de bandes. Putain, il y a encore des bandes magnétiques en 2032. C'est un peu la honte. Oh merde. Qu'est-ce qui pète là? Putain, je sais pas par où aller là, je suis perdu. Arrête de cramer par terre, s'il vous plaît. Alors, je saute. Merde. Charge. Ça sert ça contre les. Attendez, on va juste faire un truc là. On peut faire le ménage. On va bouffer des chips. Manger ça, puis on va boire une bière, un café, et voilà. Non, je vais pas utiliser ça justement. Non, je reste avec ma bonne vieille clé à molette. Et voilà. Déçu, moi je pensais que c'était, j'avais trouvé le passage, mais en fait absolument pas. Pas trop bon état. Putain, on pourrait déverrouiller le con. Ah, ça vient un moment. Putain, ils piquent ces mecs. Et puis attendez, le reste, on peut utiliser le merdier qu'on a dans l'inventaire. Genre ça, là, on va boire plein de café. Voilà, ça fera de la place aussi. Ça, c'est quoi? Du thé? Ouais, du thé, ça va pas me faire de mal. Voilà, ça, j'ai un peu de place.
passe. Voilà, il n'y a pas un recycleur dans le coin là parce que je commence à être dans la merde. Je sais pas, non. Second floor, non. Donc ça c'est pour aller chez l'autre. Juste que je trouve un recycleur. J'ai vraiment pas mal de merdier sur moi. Ça me saoule un peu de retourner. Ça me saoule de retourner jusqu'au... Trouver... Ah ah. Bah écoutez, je cherche juste voir au recycleur et puis j'arrive. On se retrouve tout de suite. Donc j'ai été faire un petit peu de ménage là. Je pense que ça devrait aller. Voilà. Ça, ça m'électrocute pas. Pou. Je trouve quand même beaucoup de matériel à recycler. Est-ce que tu es corrompu toi ou... Oui, tu es corrompu. Tu es même très corrompu. Coucou. Non, attends, pas essayer. Attends, on va essayer de l'approcher discrètement. Tel un fourbe. Oh putain, merde, ils sont deux. Oh oh. On va laisser venir en fait. Viens. Cassé. Je sais pas à quoi elles servent ces cellules. Mais je les prends quand même. La combinaison est toute cassée. Je suis triste. Pourquoi? Pourquoi ça? Pauvre tourelle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oh merde. Bon. Les autres SAS que vous croiserez devront avoir été au préalable déverrouillés de l'intérieur. Une dernière chose, votre combinaison n'est pas encore équipée d'un propulseur. Vous en aurez besoin pour vous déplacer. Donc du coup, je suis pas dans la merde, c'est ça que tu essaies de me dire. Transcribe. Hey, c'est Langley. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'anormal? Non. Comme quoi? Je voudrais pas vous effrayer. Qu'est-ce qui se passe? J'en suis pas sûr. Gardes courent dans tous les sens. Donc tout le monde travaille encore là-bas. Je suppose. J'en sais rien, j'ai passé la journée au labo. Attendez, je regarde. Est-ce que je devais faire ça? Ils étaient épuisés. Oh mon dieu, je crois qu'on vient de perdre deux labos. Quoi? Je dois y aller. Bah oui, alors là tu crois que je t'ai pas vu? Franchement que je t'avais pas vu. Faut même pas me prendre pour un imbécile. Voilà. Ça c'était quoi? La claire griffe? Non, je m'en fous. Ça on prend. On va aller là-dedans, on va voir ce qui se passe. Ah oui, pièce détachée, ça peut être cool. Ça aussi. Et puis on peut pas parce qu'on est, on est trop faible pour pouvoir bouger ça. Ça veut dire quoi ça? Il est où? Oh, vicieux. Ah, je commence à prendre le coup de main là. Merde, c'est radioactif ici. Oh, pauvre petite créature. Viens.
sait pas où aller. Hein. Hop, moi je vais un peu n'importe où. J'improvise. Ah, j'aimerais bien aller là-dedans, non? Il est où le cadavre là qui est... Ah, il est là le cadavre. Le cadavre qui est tombé. Ah, Neuromancer, tu vois, j'ai bien fait de le faire tomber. Est-ce que je peux monter là? Oui, je peux monter là. Voilà. Petit saut. Ah, recycleur. Dossier. Je sais pas où ça le transfère, mais... Merci. Ah, il faut qu'on vienne en arrière. Comment on fait pour revenir en arrière dans cette connerie? Ah, là. Danger, blablabla, ok. C'est bon. Oh yeah. Point de fabrication. Oh bah voilà, c'est ça qui me manquait. Efficacité des fléchettes. Merde. C'est cool. Guide de l'uniforme. Je sais pas à quoi ça sert. J'essaye ces fléchettes pour voir ce que ça vaut. Bah écoutez, je vais vite recycler des trucs là. Et on se retrouve. Du coup, j'ai profité pour me crafter le jetpack. C'est bon ça. Hop, Dr. Dude. Ah, des chercheurs. Ouais, faudrait que je les utilise. Ah, petite pute, il est parti où? Ah, tu... Ah, mais là, c'est le truc qui est radioactif, non? Je t'ai vu tomber là-dedans alors. Tu vas pas me faire le coup quoi, non? Ah merde. Je vais faire voir comme un noob. Je suis obligé de tomber là-dedans, c'est ça? Tu es petite salope. Ah, neuromode, carrément deux. Des brochettes. Non, je sais pas ce que c'est. Je commence à voir. Ah cool. Il faut améliorer la vitesse de rechargement de canard. Les actionnaires sont vraiment ultra lents. D'accord. C'est ce que je vais faire alors si tu veux. Mary. Voilà, c'est déverrouillé. Alors attendez, moi j'aimerais bien savoir ce qu'il faut faire ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moralité de l'histoire, j'ai essayé, mais je me suis totalement irradié. Donc je pense qu'il faudra revenir un peu plus tard. Non mais écoutez, moi je fouille un peu tout. Hein. Merde. Merde, pourquoi vous partez? En quoi ils sont? Aussi, c'est une boîte, non. Il y a un autre, là, il n'y avait pas un autre. J'en ai vu deux. Bon. S'ils sont pas là, on s'en fout. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Demande de nouvel opérateur. Je sais absolument pas ce que ça fait. Qu'est-ce que c'est? Opérateur médical Hamster, pyramide 490. Prêt au déploiement. Veuillez vous éloigner de l'ouverture. Je sais pas à quoi il sert ce mec, peut-être qu'il peut me healer, non? Mes excuses. Moi, je pense que oui, bon, casse-toi. Je vais voir le Dr. Lorenzo.
l'extérieur Bridge Point. Donc là on peut pas y aller. Ah merde, c'est dommage parce qu'il y a une carte. Ouh, Villani. Bon, on va aller à l'objectif. Ah mais non, je suis obligé de passer par le sas là. Je vais vite recycler 2-3 trucs et puis on se retrouve. Ah, j'ai un super casque. Oh là, microgravité, votre combinaison équipée d'un système propulsion. Accélérer Q, A, Q plus A pour freiner. Et C pour descendre. Putain, ça va être chaud ça. D'aller où là? Ah d'accord. Ok, voilà. C'est marrant, hein? C'est vraiment le délire. Hardware Labs. Est-ce que j'ai une... Ah putain, j'ai une... Ah putain, ouais, ouais. Je me demandais si j'avais une durée d'oxygène ou... Est-ce qu'il peut venir ici les petites bébêtes? Ouais, moi j'aimerais bien. Stop, stop. Ok, ah des morts. Ah des grenades. Par contre, moi si je dois me battre contre des bébêtes, ça risque de pas être drôle. Ah mais je peux pas me propulser avec ça, non? Ok, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ah, il y a plein de choses à recycler. Hop. Putain, c'est un peu le bad trip, hein. Descends. Ah voilà, comme ça je peux m'arrêter. Je vais voir le cadavre de machin là. Là c'est ça que je voulais. Bah écoutez, son transcribe. Ça, c'est du message que vous m'avez laissé. Franchement, j'aurais pas fait tout ça si vous n'aviez pas... Non, bien sûr. Je me souviens maintenant. Pour l'instant... Ouais, je crois qu'il perdait la boule un peu, le bonhomme. Aucune importance. Ah, carte de fusil à pompe, ça peut être intéressant, même si j'ai pas de fusil à pompe pour l'instant. Ah, c'est ça qu'il voulait. C'est-à-dire que je suis venu comme un débile et puis je l'ai pas vu. Est-ce qu'on peut se tirer par là, non? Non, c'est pas possible. Atelier, bon, on va aller à l'atelier quoi. Ah, c'est marrant ces petites phases spatiales. Je vais vous éviter le chargement. On se retrouve tout de suite. Donc on continue notre investigation. Ah, j'ai vu un copain par là. Juste essayer un truc là. Il est où? Tu kiffes ça? Ça a l'air de faire grand chose. Oh!
D'accord. Ouais, ça va tout de suite calmer. Hein. Ça. Voilà, maintenant je peux y aller. Ah, putain, mais il y a encore du merdier. Il y a du merdier partout dans ce jeu. Incroyable. Bon. Ouvre ça. Putain, je crois qu'il y a des mecs. Ferme la porte. Merci. C'est quoi ça? Ça dégage. Il y a un merdier pas possible. En fait, on va passer notre vie à recycler des choses dans ce jeu. Qu'est-ce que c'est que ce tableau? Console miroir, ah ben ouais, c'est pas activé apparemment. Alors comment est-ce qu'on active ça? Ça part là, ça va là-dessus. Voilà, on allume. Si ça veut bien s'allumer. Miroir de prototype. Voilà, lisons la vidéo. D'accord, trop cool. C'est quoi ces machins? T'as du serveur en ligne, ok. Puis celui-là, il était hors ligne. Ok. Attends, je vais lire l'autre vidéo d'abord. Ça enregistre? La colorimétrie semble un peu chaude. Où est le photomètre? Le portable? Vous l'avez pris? Non. Hier, on en avait deux. Et aujourd'hui, on n'en a qu'un seul. On en a toujours eu un seul. Mais c'est absurde. Vous avez oublié. Câble. D'accord. Première vidéo, pas très intéressante. Deuxième vidéo, c'est écrit, putain, on voit pas. Vous partez? Je croyais qu'on avait terminé. Bon, alors très bien, éteignez-le. J'ai l'impression que vous m'en voulez. Non, je crois... Vous avez raison, il se fait tard. Allez, allez, allez vous coucher. Vous allez pas vous reposer? Me reposer? Ah, ne vous inquiétez pas, je vais terminer. Très bien, on se voit plus tard, je suppose. Oui, vous supposez. Pardon? Vous dites toujours « je suppose ». Ça a marché, je suppose. On se voit plus tard, je suppose. Vous êtes une scientifique, arrêtez de supposer. Affirmez. Ou taisez-vous. C'est tout. Il ne devait pas être pas nuit, facile Dr. à vivre. Calvino. Il est en piscatore. C'est un italien. En piscatore. Diagnostiquer le serveur. Bon. Ça fonctionne, je peux m'amuser à faire une analyse. Puis il n'y a rien d'autre ici. Ah oui, il y a toujours des choses. Donc elle m'a dit, il faut retourner à ton bureau. Peut-être là, il y a des codes. 170 grammes. Ouais, c'est super. Moi, je cherche juste des codes, à vrai dire. Il n'y a pas de code. Bon, ok. Là, vous pouvez être sûr qu'en retournant à l'endroit, ça va chier, mais violent. Hein? Bon, je reviendrai ici après, non? Ah non, on va quand même essayer de voir ce qui se passe là en bas. S'il se passe quelque chose. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait un mec. Canon bleu, hein, moi je prends. Vas-y. Einstein, bon sang, où êtes-vous? Dans l'atelier mécanique, j'étais... Je viens d'entendre une explosion. Oubliez ça. Prenez tout ce que vous pouvez et venez dans mon bureau. Nous
vont évacuer. Comment? Qu'est-ce que... Les neuromodes, les matériaux exotiques. Ne perdez pas de temps. Retrouvez-moi dans mon bureau. Bien, monsieur. Oh, et apportez le canon bleu. Putain, c'est abusé comme l'inventaire, il se remplit vite. Qu'est-ce que t'as sur toi? Ah, du glu. C'est dommage que tu sois mort comme ça. Juste là, on va voir ce qu'il y a en bas. Oh putain. Ça s'annonce pas super par là. C'est quoi ça? Ah, c'est les fléchettes. Ça, on pourra prendre pour recycler. Ça aussi. Ah! C'est quoi, quoi? Clive Lawrence, putain, il est où? Oh merde, il est juste là. Bon. Je pense que tu vas pas me voir si je fais ça. Clive Lawrence. Voilà, Clive Lawrence. T'as vraiment explosé en 1000 morceaux, non? Mais c'est pas grave, tu sais pourquoi? Parce qu'ici, j'ai un truc pour recycler. Donc voilà, j'ai fini mon recyclage. Mais on trouve tout le temps des choses ici, c'est abusé. Bon là, je voulais juste aller regarder ce qu'il y avait ici, là. C'est quoi ça? Assistant synesthétique, régénère d'audience plus rapidement. Ah ouais, d'accord. Mets-le là. Yeah. Putain, j'ai vraiment blindé de munitions, c'est un truc de fou. Bon, on va y aller. C'est vrai que j'ai pas mal, j'ai un peu galéré au début là, il fallait prendre un peu le coup de main avec les bébêtes. Et puis maintenant là, je pense que j'ai enfin trouvé les combos qu'il fallait utiliser, du coup c'est quand même devenu un peu plus facile. Bon, je pense que bien entendu le jeu il va devenir plus difficile au bout d'un moment, mais tu vois comme là il y a ces bâtards là. Oh, tu m'as pas vu. Hop. C'est plus un réel problème. Par contre, faut avouer que si on n'a pas le canon glu, c'est vraiment la grosse merde. Bon, je vais aller à mon bureau. Je pense que là, maintenant, on est un peu tranquille. Ah bah non, putain, j'ai parlé trop vite. Putain, il a quoi de spécial, celui-là? Putain! Il était radioactif, c'est quoi le délire? Oh putain, il était radioactif ou quoi? Petite salope. Abusé, hein! Moi je pensais qu'une fois qu'on était passé dans un endroit, ils revenaient plus, les mecs. Eh ben, j'ai très très mal pensé. Ils sont un peu évolués ceux-là apparemment. Ça doit être des primordiaux là comme ils disaient. Oh là! On est vite surpris, hein. C'est vrai qu'on fait pas attention. Et puis tout d'un coup, boum. Bon, je vais juste recycler un peu. Donc, on va finir de regarder la vidéo.
Tu ne vas pas aimer ce que j'ai à te dire. Vas-y, dis. Tu dois détruire Talos One. Les recherches, les typhoons, rien ne doit survivre. Toi y compris. C'est insensé, je sais. Mais tu as vu de quoi ces créatures sont capables. Elles font partie de toi. Si ne serait-ce qu'une cellule revenait sur Terre, ce serait la fin. Je suis désolée. J'aimerais qu'il y ait une autre solution. January peut t'expliquer comment activer le mécanisme d'autodestruction. Alex essaiera de t'en empêcher. Il est allergique à l'échec. Il est bien trop fier pour rentrer chez papa et maman la queue entre les jambes. Alors, tout repose sur toi. Bonne chance. Je t'avais dit que t'aimerais pas. C'est pas cool ça. Parler à January, d'accord. Bonjour Morgan, je suis January 2035. Je suis un opérateur. Il y a beaucoup d'opérateurs à bord de Talos One, mais je suis unique. Ok. Par ici. Je suis votre plan B. Ma première tâche était de vous extraire de la simulation. La seconde était de vous montrer la vidéo. Toutes deux sont accomplies. Intéressant, de nouvelles directives me sont maintenant disponibles. Le protocole d'autodestruction de Talos One s'active par deux clés d'armement. Votre frère possède la première, et vous aviez la seconde. Alex a détruit votre clé d'armement, et vous avez caché son plan de fabrication dans le stockage. C'est là que vous devez vous rendre. Nous nous occuperons de la clé d'Alex plus tard. Les typhoons se propagent à toute vitesse, Morgan. Vous ferez la course contre eux, et contre votre frère. Cette carte d'accès vous ouvrira l'ascenseur principal et tous les laboratoires. L'ascenseur principal est le moyen le plus rapide d'atteindre le stockage. Sujet suivant. Vous m'avez demandé de vous fournir plus de neuromodes. C'est fait. Bonne chance, Morgan. Il est sympa, ce truc. Vous m'avez conçu pour vous assister. J'ai plus d'instructions, mais je ne peux y accéder tant que vous n'avez pas trouvé les deux clés d'armement. Ok. Bon. On a de nouveaux objectifs, maintenant. Bon, écoutez, je pense qu'on s'arrête là pour la vidéo numéro 3 et puis on se retrouve bientôt pour la quatrième vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires, que ce soit en bien ou en mal. Hein, on est là pour faire des progrès. Et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est surtout pour le référencement. Et puis, bah, si vraiment vous suivez ou vous regardez régulièrement mes vidéos, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, une bonne soirée. Allez, salut !